de l'Argonaute. Alors aujourd'hui, on va parler pas de voiture, on va parler pas de bateau, on va parler de corail. Et le corail, c'est bien, j'aime le corail. You love coral? Love coral. You love coral? Love coral. Ce vlog, c'est n'importe quoi. Je sais qu'à chaque fois que je commence une vidéo, je commence la vidéo en disant qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est un jour particulier. Et donc on va parler dans ce vlog de deux trucs. D'abord, je vais t'emmener faire une petite plongée de nuit. Pas piquer des hannetons, tu vas voir, c'est une petite douceur. Mais surtout, en fait, si je fais cette vidéo-là, c'est parce que je vais essayer de filmer un truc très particulier. Alors, les plongées de nuit, c'est toujours classe. Mais cette nuit, il va se passer quelque chose d'assez... rare. Peut-être, j'espère, normalement, avec de la chance, il pourrait y avoir ce qu'on appelle le coral spawning. C'est le moment en fait où le corail va pondre et balancer des petits œufs partout dans l'océan. Et moi j'aimerais filmer ça. En fait, c'est même un gros projet, ça fait un an que j'accumule des petites vidéos. J'ai réussi à filmer ça en laboratoire. Ouais ouais, ça ressemble à ça. Hey, c'est pas trop cool? Et là, on est à Sava Island et ce soir, on va essayer de voir ça. Au pire, si on le voit pas, eh ben on aura fait une plongée de nuit. Moi, je t'avoue, les plongées de nuit, j'ai toujours trouvé ça assez cool parce que y a tout le monde qui fait des petits proutes en vrai dans le bateau. Mais là, ce coup-ci, il n'y a pas de clients, ça va plutôt être des scientifiques. Donc, on va voir si les scientifiques, ils font des... On va voir si les scientifiques qui font des petits proutes dans le bateau aussi. Et aujourd'hui, je suis en bonne compagnie. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Je m'appelle Casey. Je m'appelle Jean. Mais rien. Non mais parce que moi, tu vois, j'aime bien avoir l'arrêt sur le côté là, comme ça. I'm gonna be driving the boat. Yeah, you're gonna have the worst. This is going great. He has the worst position ever because he's staying on the boat. Somebody's gotta keep the divers safe. He's not going to be. We have two dive centers in Seba. Actually, I'm working for the one next door. But we work together to make sure that Seba stays a beautiful and nature-rich place. That's a point. And no more of that cheap-ass sunscreen with chemicals in it. So, cinq day. So what can I say else? Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Parce que j'ai un peu plus ou moins tout dit. Stretchy. Je crois que mon ordinateur me dit de fermer ma gueule. Bref, c'est une intro beaucoup trop longue. Ce que j'essaie de dire dans cette vidéo, c'est qu'on va aller plonger de nuit. Mais surtout, on va essayer de continuer, voire même d'aboutir la prochaine vidéo sur le corail. Parce que du corail mort, j'en ai vu une chier. Mais ce qui est cool avec le corail mort, eh ben, c'est qu'il revit. Et là, ce soir, on va essayer de le voir revivre. Et ça, ça mes amis. Ça, sur la chaîne Argonaute, la biodiversité, on aime. Et je vais te présenter les scientifiques. Tu veux rencontrer les scientifiques? Dès qu'ils arrivent, je te les montre. Allez, tout de suite. Hi, darling. Sing hi. Wait a second. Hey. You gonna be my body? Yeah, sure. She gonna be my body. You gonna save my life? Maybe. So I haven't signed the paperwork yet, so I'm not allowed to die. So, donc Ayumi, juste là. Et bah c'est aussi une biologiste marine. Bon, allez, c'est pas tout ça, j'ai de la paperasse à faire. Parce que oui, même quand t'es instructeur de plongée, tu dois signer les assurances. Bah, tout va bien. Where's my paperwork? Okay. It's the 18. How you doing? We're gonna take these thingamajiggers and put them on the water. Let's go diving! Oui, parce que j'ai pété toutes mes lampes et la dernière qui me reste, c'est pour la vidéo. Eh, bah oui. Don't misunderstand. You know what this for? Et non. Not made for that. That's a marker. Hein? Ça vibre pas. Ok. Bon, assez parlé, maintenant on se retrouve sur le bateau.
On y va? It's transition shot, like. It would be really nice that when we go in, first thing I'm gonna do is actually appoint to Kevin the little outplant area, because he needs to have a place to set his cameras. And if everybody can just self-organize and go to the specific trees, if you can take a look between two trees, that would be really helpful. Apparently when the acropods are spawning, it takes from 10 to 30 minutes. So if you do see a spawning, please start tapping your tank so everybody else can enjoy it too. Basically, the most important thing for me to know is time-wise. I'm not gonna give the dive briefing. I think we could just go down and then we come back up together. Yeah. Là, on est enfin arrivé sur notre site. Et puis bah, comme tu peux le voir, il fait nuit. Puis ça parle derrière moi. Elle va disparaître. Bon bref, alors là, je te parle depuis Quiet Bay et on va aller sur la nursery de corail. Tu te souviens la nursery de corail qu'on a vue la semaine dernière? Eh ben on y retourne. Mais ce coup-ci, c'est pour voir nos petits coraux faire le sexe. Puis de toute façon, au pire, si c'est nul, on fait quand même une plongée de nuit. Moi, perso, j'adore. C'est un des trucs que je préfère. Il va être temps d'y aller. A tout de suite. De nuit, tu vois l'ambiance. Elle est déjà bien différente. Alors on se prépare, et là, nous voilà dans l'eau. Et plus que jamais, j'ai l'impression de partir sur une autre planète. Et ce voyage va commencer d'une façon bien misérable. Et ouais. Tu vois ce petit point rouge là? C'est le marqueur d'Ayumi. Et lors de notre descente, il va disparaître de la vidéo. Il disparaît car ma GoPro décide vaillamment de partir explorer le monde, toute seule, comme ça. À ce moment-là, dans le noir absolu, et entre deux petits pets fébriles, il y a un plongeur quelque part qui recherche désespérément sa caméra à 300 balles, comme un con. Et cette lumière qui apparaît au loin, eh bien c'est moi. Et devine où est-ce que je retrouve ma caméra? Eh bien, elle est là, coincée sur un des récifs artificiels que l'on a vu la semaine dernière. Elle me toise avec ses petits yeux de caméra comme si de rien n'était. Et franchement, c'est vraiment la honte. Heureusement pour moi, à part ma dignité, aujourd'hui ma caméra n'aura rien endommagé. Donc maintenant, on va rejoindre Ayumi. Et on va pouvoir profiter tranquillement de cette plongée. Thank you.
Finette. Jour. Nuit. Jour. So you... Thank you. Thank you, guys. That's gonna help. Je crois que ça se fout de ma gueule. Bon, j'ai pas réussi à voir ce que je voulais voir. C'est pas grave, ça arrive. On a quand même passé une bonne plongée. Ça fait plaisir. Et puis dis-toi qu'à chaque fois que tu vois une vidéo, eh ben, il y a 30 ou 40 plongées derrière. Bon, on va finir le petit vlog là-dessus, sur le bateau. Oublie pas d'aller faire un saut sur les autres vidéos. Et puis je compte en faire d'autres, et comme ça, tranquille. Bon, maintenant, il va falloir retourner sur l'île, parce que demain, je travaille, et puis il est déjà tard. Thank you, guys. Ils sont gentils. Et puis, bah, j'espère que cette petite plongée de nuit t'a plu. Non, mais c'était rigolo. C'était bien. Pas ce que je voulais voir. Mais bon, on voit pas toujours ce qu'on veut voir. Hein. Donc, yeah, you can turn it off. Thank you. Bye bye. Ouh. Ah. Wow, I have night vision now. Turn that light off too. You have night vision. Yeah.